T'es là. Viens, comment une question. T'es là. Voilà. Allez. Alors. En direct. Danonais. Devant la mairie. Regardez, il y a les drapeaux. Devant la mairie d'Annonay. Voilà. Nous sommes le. Quelle date nous sommes, Garance? Nous sommes le 8 juillet. Mercredi 8 juillet 2015. C'est assez tôt le matin. Il fait frais. Il fait frais. La température a baissé. Nous allons aller au bar de la mairie. Suivez-nous. Ah, allez, hop. Ah bah il y a un monsieur. Eh ben voilà, bonjour. Son café du matin. Allez. Bonjour madame. Oh, vous avez un bar très sympathique. Oh, voilà. Allez-y. Voilà. Nous sommes avec Alain. Dans le bar. Dans le bar de la mairie. De Maria. Alors, Alain. Voilà. Alain, nous avons une question à vous poser. Un bar ne sert-il qu'à boire? Ah non, évidemment, c'est le contraire qu'il faudrait dire. Ah. Le bar, c'est un des derniers endroits où règne la convivialité, la sympathie, la camaraderie. Le troquet ne sert-il qu'à boire? Non. Ah, intéressant. Alors, pourquoi non? Voilà, à quoi sert-il donc? Parce que quand on n'a pas soif, on ne boit pas. Ah, bien sûr. Mais alors, quand on n'a pas soif, vient-on au bar, Carmen? Bien sûr. Et alors, pourquoi c'est il ça fait, qui est intéressant. Jean-François? Pour discuter, on rejoint la convivialité, hein. On l'a de rejoint. Maria, hein, qui nous en de a Maria. Parlé. Du monsieur Alain, tout à voilà, l'heure. Voilà, Alain, tout à l'heure. C'est, aussi, c'est beaucoup pour ça, c'est surtout pour ça. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce bar-là? Oui, celui-là. Ah. On est à côté de la mairie. On est à côté de la mairie. C'est un avantage, Maria, hein, que vous aviez oublié de nous citer. On va faire un petit tour dans votre bar, Maria. Un petit dernier tour avant de partir. Oulala, Maria, vous inquiétez pas, le camion va passer. Voilà. Claude. Alors, bonjour Claude. Alors, la question c'est, un bar ne sert-il qu'à boire? Pas du tout. Ah, encore un, hein? Dites-nous deux, trois mots du bar, Claude. Qu'est-ce qui vous vient? À se rencontrer et à se reposer. Bravo. Le repos. Merci, Claude. Hein, le repos, vous avez noté, Anthony? À se rencontrer. Parce que là, se rejoindre, ça rejoint la convivialité. Monsieur a fermé sa fenêtre, il s'est dit. Ah, là aussi, ils se sont dit vite, fermons. Là, il y a une cliente qui fête ses 50 ans. Alors, attention, attendez, hein, le top et tout, parce que là, il faut y aller. Hein, oui. Attention. Ça tourne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Un bar ne sert-il qu'à boire? Non. Non. Alors, pourquoi? Deuxième question, voilà. Je peux voir ma grand-mère. Vous êtes la petite fille de Maria. Maria. Nom de chien. J'attire votre attention sur cette salade. Eh bien oui, car avant cette salade. Du jardin. Oui. Jardin. Alors, attendez, le jardin. Du parc mignon, de l'association des vieux quartiers. Ah, il y a des guides. On peut lire, hein, on peut lire. C'est important et intéressant. De le noter. Par exemple, vous avez le Vivarais, remarquable. Écoutez, ils ont eu le bac. Oui, écoutez, Garance. J'ai un petit neveu qui est dans la région. J'aurais bien aimé savoir s'il avait eu son bac. Alors, ça vous gêne pas que la Drôme, Montgolfière, hein, vous voyez, il y a de la documentation sur la Montgolfière. Parce qu'à Annonay, la Montgolfière, bon, ben, c'est important. Un bar ne sert-il qu'à boire? Eh bien, écoutez, non, je vais dire non. Ah, alors pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut y faire donc? Eh bien, on discute, on échange, on fait des connaissances. On peut draguer. On peut draguer! En résumé, humain, qu'est-ce qu'on dit? En résumé, donc la question était, un bar ne sert-il qu'à boire? Eh bien, la réponse qui se dessine en tout cas aujourd'hui au bar de la mairie, ça serait plutôt non. Ah, bien voilà. Sûr que non. Parce qu'alors, ça sert. Alors, qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que nous avons entendu? Convivialité.
rencontres. Les rencontres, les discussions, l'amitié. La drague. La drague. La petite dame, elle l'a dit un peu en dessous, mais elle l'a dit. Mais elle l'a dit quand même. Les jeux de cartes. Oui, non, la salade des jardins. Oui, on va peut-être de l'association pas non des vieux plus quartiers, tout donc développer. On peut manger. Hein, on peut manger, on va pas dire quoi manger non plus, Marie-Agnès. Ah, ben, c'est important. Hein, donc, c'est important. Oui, c'est important. Mais je trouve aussi que c'est important, Marie-Agnès, oui, dites-moi, de terminer oui avec un petit travelling, on dit. Hein, oui. Avec votre petite caméra, là, vous allez. Ah, ben non, du coup, elle monte. La nana est montée. Voilà. Parce que nous n'oublions jamais. Voilà. Hein, nous sommes aussi là. De rappeler Nana. Pour Nana. Parce que Nana, où que tu sois, Nana veille sur toi. Et ça, c'est important. Merci, hein, mesdames et voilà messieurs. Merci, mesdames et messieurs, les voilà spectateurs de Tella. Le monde est un grand neige qui tourne comme il peut. La vie est un long cortège, heureux ou malheureux. T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là.